Bon, yo tout le monde! Vous habitez ici? Ouais. Toi, t'habites ici? Hein? Ouais, j'ai déménagé ici, j'ai acheté une maison. Oh. Yo! Non, je viens. Oh, oh. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, les gars, on va aller visiter des maisons de riches. Partie 2. On était déjà allé la dernière fois. On était déjà allé la dernière fois, mais on n'avait pas réussi à rentrer dans une maison. Ben, on a trouvé un gars. Ben, ça, le gars nous a, ben, a pas rappelé Junior. On se promenait dans le quartier de riches et puis on est tombé sur un garçon. Et puis, on l'a dit de venir à la voiture. Il est venu, il était vraiment cool, il était chill. Et là, maintenant, on l'a demandé si on pouvait visiter sa maison. Il a dit que ses parents, ben, il doit demander la permission à ses parents pour nous laisser visiter la maison. Et après ça, je lui ai demandé, yo, finalement, tes parents ont dit quoi? Ta mère a dit quoi? Ton père a dit quoi? Après, elle a dit, ses parents ont dit non, qu'on doit les payer si on veut visiter la maison. Mais bref, je l'ai juste dit, ok, bon, c'est pas grave là, parce que je vais pas payer pour aller visiter une maison. Aujourd'hui, on va faire la partie 2. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui me disaient de visiter des maisons de riches d'un quartier à Montréal, là. J'ai oublié le quartier, mais bon, bref, West là, Mount. On est... Westmount, je pense, ou un autre. Rivière des Prairies, quelqu'un le disait dans les commentaires, quelqu'un le spammait. Yo, Junior, allez à RDP. On n'est pas à RDP ou bien à Montréal, on est dans un autre quartier de riches, dans la rive sud, un peu loin là, donc on est là. Mais regardez la maison déjà, les gars. C'est ma maison. Regardez-moi cette fucking villa. Regardez comment elle est fucking grande, bro. Et c'est juste une parmi des milliers, hein. Parmi tant d'autres, regardez tout ça. Donc on va faire un tour, on va conduire la voiture, faire le tour. Ouais, tout à l'heure, j'avais proposé à Bijou qu'on marche, qu'on garde la voiture et qu'on marche dans le quartier. Mais déjà, on ne peut pas garer. Je ne sais pas où on va garer, c'est ça. Si on garde la voiture, les gars, c'est comme si on doit garer devant une maison. Ça va être très chelou. Parce qu'il y a des gens qui ont leur maison déjà ici, et ils vont voir une voiture qui est devant leur maison, qui n'a aucun rapport d'être là. Ils vont être comme, wesh, ok, si la voiture est là, c'est qu'il n'a pas de maison ici, la personne. Donc, il a garé ici pour aller se promener ou quoi. Donc, ça ne va juste pas marcher. Donc, moi, je propose qu'on fasse le tour comme dans la partie 1. On conduit, on voit les maisons. Et puis, si on tombe sur quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Jette sa gomme. Si on tombe sur quelqu'un, on va lui demander si on peut visiter la maison. Tu vas lui demander. Tu vas pas venir avec moi? Oh. Il y a une limite. Attends, est-ce que ma tête est plus grosse? Comme ça, là. Avec mes cheveux attachés. Allons. Je sais pas, j'ai l'impression que ma tête est grosse, bro. Oh, regardez ce BG. Bon, on y va. Il y a plein de gens qui font du sport ici, hein, t'as remarqué ou pas? Du vélo. Ouais, il y a plein de gens qui font du vélo. Il y a une meuf tout à l'heure qui faisait la course. Du jogging. Il y a un monsieur qui fait du vélo encore. Ici, regardez ça. Regardez la maison, les gars. Waouh! Regardez celle-là. Ok, bijou. Attends, c'est une Rolls Royce ça? Où ça? Non, ok. Ah, mais pourquoi on serait étonné de voir une Rolls Royce ici aussi? Oh, regardez ça, les gars. Attends, il y a une voiture qui passe. Regardez ça. C'est un château, bro! C'est un château! Il y a trois portes! Même plus! On va regarder les trois prochaines maisons, on va dire si on aime ou pas. C'est-à-dire aime pas. Première maison. Aime. Aime? T'as pas le droit de dire aime à tout. Il y en a au moins un que je te dis aime pas. Okay. Ça t'aime? Pourquoi? J'aime la couleur rouge, c'est ma couleur préférée. C'est même pas rouge, bro, c'est genre. Rouge. Brique. Rouge brique. Yo, continue. Deuxième maison, Bijon. Aime ou aime pas? Oh, ça c'est futuristique. Ça c'est quand même. Ouais, j'aime. Ça t'aime? Ouais, j'aime. Ouais, j'aime aussi. Ouais, j'aime. Ça, on dirait qu'ils l'ont rénové. Oh, il y a quelqu'un derrière nous. Wesh. On fait comme si c'est notre quartier là, on est à l'aise. Ça t'aime? Mais il y a un père et son enfant qui jouent là. Ça aussi c'est quand même grand, bro. Waouh. Oh non, c'est gênant. Hein. On continue? Ouais, ils sont en train de jouer. Bon. Ça. T'aimes ou pas? On l'annule. Ouais, on va pas le montrer, les gars. Un daron. On va leur demander, bro. Putain, ce garçon-là, il est bien pour la vie, bro. Il est bien pour la vie. Est-ce que c'est quoi, là, avoir des dettes? Non, même pas. Est-ce que c'est quoi, penser à l'argent? Est-ce que c'est quoi... Ouais, ben sûrement, ouais. Non, sûrement, c'est pas quoi penser à l'argent? Le sensibilise. Ouais, mais comme... Moi, je dis dans le sens que, disons, il est né riche. Comme, est-ce qu'il va se dire... Peut-être pas. Peut-être son père a grain. Il est né riche, les gars. L'enfant. Peut-être son père a grind. Comme... Son père a grind, mais l'enfant. L'enfant est né a peut-être genre 12 ans. Donc peut-être. Peut-être il vient d'arriver genre il y a 4 ans. Peut-être. De quoi tu parles? Peut-être il a 12 ans. Il n'est pas né là. Peut-être son père, genre. Ah, ils vivaient dans un appartement. Dans une maison genre normale. Ok, mais si son père, disons, il y a 40 ans, tu vas me dire qu'il a eu la maison il y a 2 ans? Ouais. Peut-être. Ok, même à ça, donc ça veut dire qu'il est riche depuis. Il n'est pas riche! Il vivait dans un appartement. Et son père a grind et tout. Oui, j'accepte ça. Mais bijou, son père n'a pas eu 10 millions de dollars il y a 2 ans pour avoir acheté cette maison-là. C'est-à-dire son père, il travaille depuis comme
depuis qu'il a 20 ans, 21 ans, 22 ans, il est là, c'est maintenant qu'il a acheté la maison. Mais ça veut dire que l'enfant, il est né avec un père qui n'a pas eu de soucis d'argent. Son père, comme il a eu de l'argent, ça fait genre 20 ans qu'il a de l'argent. Ouais, c'est ça que je veux dire. Donc, ben, il est né riche. Il n'est pas riche. Oh. Il est, les gars, il est il né est riche. Il n'est pas né riche. Peut-être il n'est pas né riche. Il a pas 12 ans, il a 11 ans. Non. Il a l'air d'avoir 11 ans, mais je sais qu'ils sont en train de jouer au hockey devant la maison. Là. Ils ont un bâton de hockey, là, ils sont en train de jouer. Père-fils, là. Qu'est-ce? Ça, c'est le bail de film, là. Relation père-fils. La mère et la fille sont en train de cuisiner. Qui? Mais je dis pas que les femmes doivent être dans la cuisine, hein. Pardon, ne m'attaquez pas dans les commentaires, les gars. Les hommes aussi peuvent cuisiner. Ok? Mais, ouais. En bref. Mais là, continuons, là, on reste statique. Ouais, on a skippé l'autre maison parce que le daron était là. Là, maintenant, mais je skip ou pas skip. M ou pas M? J'aime pas trop. Pourquoi? Je sais pas. En vrai? J'aime pas trop, moi. T'aimes pas trop? 56 alors, je me suis dit. Y'a une Lamborghini. Où ça? Y'a une Lamborghini en or en plus. Ah, ça, elle est nice. Oh, ça, tu la passes? La smash. Ah, attends, smash une maison, qu'est-ce que tu dis, frère? Ok, ouais. Déjà, smash or pass? Ouais, vas-y. Smash or pass. Smash or pass, bijou. Smash. Smash? Elle est vraiment belle. Yeah. Elle a un l'air aussi futuristique, là, je le dis toujours, là, mais. Yo! Il y a une Lamborghini Urus? Et une Lamborghini? Et une G-Wagon? Ouais, j'ai vu ça. Il y en a qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Il y en a qui, quand ils dépensent de l'argent, ils pensent le lendemain. Il y a des mères de famille qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants à leur faim. Mais dans ce monde, il y en a qui arrivent à se payer des Lamborghini à 300 000 $. 500 000 parce qu'il est hésité. Il y a une basket, on y va? On y va? Oui, on y va. Il n'y a pas de balles. Mais il y a un gars qui joue. Dans la partie 1, on s'est promené, on n'a pas vraiment marché. Il n'y avait pas de voiture. C'est ça. Dans la partie 2, il faut qu'on marche un peu. Il faut qu'on se promène un peu. Donc là, okay. Ce sera ici. On va aller jouer au basket avec les gars. La pire chose, hein, selon moi, c'est d'avoir tous ces trucs-là, une maison comme ça, une voiture comme ça, et d'être aigri avec ça. T'es pas trop chaud? Je suis un peu gêné. T'es gêné? Yo, why you want to be rich kid? Yo, pourquoi t'as peur? Ouais, on va juste jouer. Mais c'est toi qui demandes. Et mon phone? T'as ton phone? Ouais. Bon, j'ai oublié mon phone de la voiture. C'est pas grave. Ah, ils sont en train de jouer déjà. Yo, vous voulez jouer au basket? Hein? Vous jouez au basket? Ben, Louis, Louis. Bisous, viens. Je vous connais. De où? C'est qui? Ça va? C'est un youtubeur. Ouais, je suis un youtubeur. Non. Tu es dans la vidéo? Tu es dans la vidéo? Yes. Ouais, ouais. Vas-y, allez. Yo, what's up? Yo, bisous, yeah, bro. Comme je suis gêné, bro. Yeah, bisous. Et on a un fast day, bro. On a un fast day. Let's go. On a un fast day. On va jouer au basket. Tu veux jouer au basket avec eux? Oh, let's go. C'est quoi ta chaîne? Ma chaîne, c'est The Big Juni. Vous habitez ici? Ouais. Vous habitez ici? Ouais. Toi, t'habites ici? Hein? Ouais, j'ai déménagé ici, j'ai acheté une maison. Non, oh. Viens, viens, viens. Oh, attends, oh. T'es sur quoi? YouTube. Lui, t'as quoi à dire? Hein? Oh, bisous! Yeah, bisous, il a. Yo, on a une passe D, bro. T'en penses quoi de la passe D? Et c'est quoi la passe D? Je sais pas, c'est toi qui dis passe D depuis tout à l'heure. Mais passe D, c'est genre le basket? Pourquoi? Oh, passe D! On a une passe D! Oh. Comme une passe décisive, qui est le basket qui nous a sauvés. Parce que si j'avais pas vu le panier, on serait jamais venu ici. Si on n'est jamais venu ici, on ne l'aurait pas vu. Ah. Bah, lui, il joue au basket. Mais shoot, non? Hein? Mais joue. Tu peux jouer si tu veux. 4v4? Ah, ok. Ah, vous êtes parce que vous êtes 8. Ouais, bisous. Tu sais que tu ressembles à quoi? À comme quelqu'un qui sort pour la première fois. Je sais pas comment expliquer, genre. Il touche ses poches et tout, gêné. Bon, bref. C'est qui le plus bon? Moi. Vous allez finir à combien? 5? Ok. Oh, bisous. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Il dit que même pas il est avec qui, je pense. Vas-y, bisous. Fais un petit bail là. Fais un petit bail coup, ok? Va prendre la balle, non? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Qu'est-ce qu'il fait? Petit gêné, va. Petit gêné, va. Il est timide. Il est timide du jeu. Ok. Ok. Let's go, Jack. Théo, let's go, Théo. Il va tirer.
Oh, si. Mais bon, frère, il pense sur lui. Oh, Gigi's. Oh, putain, il a perdu la main. Oh, shit. Il a failli marcher. Ouais, c'est une faute. Gigi, c'est fini. Fini. Nice. Je pense que c'est 2-0. Let's go. Shoot. Nice. Oh. Oh, il a intercepté la balle. In. Oh, purée. La gars, c'est à mon tour. Déjà à jouer. Je pense qu'elle fait un point sur 5. Mais j'ai fait 0. Moi, j'ai pas tous les points. Regardez ça, je les coupe. Bah, toi, tu as joué pour de vrai. Non? Ouais, moi, je... Bon, même toi, tu vois, je jouais, jouais pas pour de vrai. Il a genre 10 ans de plus que... Il a... Bon, tout le monde, on a fini avec le basket et nous, on a gagné. L'équipe que j'avais là, on a gagné 5-1, je pense. Je ne me trompe pas. Et Bijou, vous avez gagné combien? C'est bon. 5.
5-1 aussi, je pense. 5-1, ok, ouais. Et puis, les gars, j'ai marqué 4 points sur 5. J'ai vraiment cook, là. Je suis trop fort au basket. Ouais, t'as marqué combien? 0. 0? Ah. C'est pas grave, c'est pas grave. Et puis, t'en penses quoi, les gars, là? Ouais, t'étais gêné, hein? T'étais timide! Non, timide, timide. Non, Bijou, il y a différents cas où je le vois timide. Devant ses amis, il n'est pas du tout timide. Devant ses amis, il n'est pas du tout timide. Devant la famille, il n'est pas timide. Mais les seules fois où je vois Bijou timide, c'est quand, par exemple, je parle avec une meuf devant lui. J'ai une meuf devant moi et je parle avec la meuf. Là, il fait le timide. Quand je parle à une inconnue, il fait le timide parce qu'il se dit après que j'essaie de la rise. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qui t'a rendu timide? Parce qu'il y avait des gars. Et en plus, on joue au basket. Yo, je sais pas. Quoi. C'est leur aura, bro? Quelle aura? Personne n'a dit aura sur moi. Ça c'est toi, ok? T'es juste comme ça, j'attendais! Non? J'attendais! C'est ça. Ok, donc bref. Donc on va arrêter la vidéo là. On a fait assez le tour des maisons de riches. Et en plus, les petits là, ils voulaient nous faire un tour en plus, mais moi, ils rentraient chez eux là et je ne voulais pas avoir l'air d'être un forceur là. C'est ça. Ça se trouve, ils vont nous faire un tour, ok? On va arriver dans leur quartier, mais genre sur leur rue à eux. Et puis leurs parents vont les voir au loin avec deux gars qui sont en train de marcher. Et après la manière, ils vont dire hey, pourquoi vous faites un tour à deux gars? Notre couleur n'a aucun rapport, mais genre juste deux gars comme ça de nulle part. Pourquoi ils veulent faire un tour? Quelle est la raison? Mais ouais, on a une raison, YouTube. On n'est pas venu au hasard de nulle part pour dire Bijou, on va aller voir les maisons de riches. Tu vois, là c'est différent. Là, on fait une vidéo. Là, les parents auront compris. Ils auraient compris dans ce cas-là. Mais bon, je ne veux pas avoir là de forceur. Donc on a juste joué. Je les ai un peu cook. Et puis. Ouais, c'est cool. Viens, on va finir comme ça. Ouvre la peau. On va finir comme ça, viens. Il faut que tu dises, les chaussettes de l'artiste sont-elles sèches ou archi-sèches? Les chaussettes de l'artiste sont-elles sèches ou archi-sèches? C'est quoi la phrase même? Les chaussettes de l'artiste sèches sont-elles sèches ou archi-sèches? Archi. Les chaussettes de l'artiste sont-elles sèches ou archi-sèches? Non, archi-sèches. Archi. Non, archi. Ok. Sont-elles sèches d'accord. Ou archi-sèches? Les chaussettes de l'artiste du siège sont-elles sèches ou archi-sèches? Merci. Vas-y encore. Les chaussettes de l'artiste du siège sont... Les chaussettes de l'artiste du siège sont-elles sèches ou archi-sèches? Archi-sèches, pas archi-sèches. Les chaussettes de l'artiste du siège sont-elles sèches ou archi-sèches? L'archi du sèche. Les chaussettes de l'artiste du siège sont-elles sèches ou archi-sèches? Archi-sèches. Les chaussettes de l'artiste du siège. Oh non. Oh. Les chaussettes de l'artiste du siège. De l'artiste du sèche. Les chaussettes de l'artiste du sèche sont-elles sèches ou archi-sèches? Archi-sèches. Oh yeah. Tu ne finis pas, on n'arrête pas la vidéo, frère. Les chaussettes de l'artiste du sèche sont-elles sèches ou archi-sèches? Merci. Oui, je suis d'accord. Donc les gars, voilà pour la vidéo. Likez là. Abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Dites-nous si vous voulez une partie 3 d'un autre quartier de riches. Donnez-nous dans les commentaires des idées. Bon, on a une petite idée là. On va peut-être aller à RDP, comme le gars se permet dans les commentaires de certaines vidéos. Et puis ça va être ça quoi. Donc likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et peace.